Ok, alors chers amis, il y a longtemps qu'on ne se parle pas, pardon, on ne s'est pas parlé sur Facebook. Alors, je fais ce matin cette vidéo pour recadrer certains partisans de Guillaume Soro. Je vais parler à certains partisans de Guillaume Soro qui jusqu'à présent n'arrivent toujours pas à mettre beaucoup d'eau dans leur vin, qui n'arrivent toujours pas à se ressaisir. Et nombreux d'entre eux sont certains de nos frères du Nord. Ils font des vidéos, ils sont sur les panels, ils agressent, ils insultent, ils font des caricatures. Tantôt c'est Zasso, tantôt c'est Johnny Pacheco, tantôt c'est Gouza. On les voit même faire des vidéos où parfois ils vont même au-delà de la politique. Ils tombent carrément dans le tribalisme, dans le communautarisme. Ils vont même dans les injures. Ces gens-là, ça, eux, je vais parler ce matin. Depuis quelque temps, depuis des années, nos pages Facebook sont au rouge parce qu'on a trop d'adversaires. Tout ce que nous disons gêne et dérange. Dérange donc des gens énormément signalé les vidéos, énormément signalé nos pages. Donc, chers amis, faites des efforts pour quand même partager la vidéo. Alors, j'ai un monsieur à qui je voudrais d'abord parler, on l'appelle Amira Blindé. Par la suite, il y a Soulé et il y a une certaine dame qu'on appelle Nina et autre Parigo. C'est à ce groupe d'individus-là que moi je voudrais sincèrement parler ce matin. Vous savez, moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la rébellion de 2002. Avant même la rébellion, il y a eu le coup d'État de 1999. Moi, j'ai passé ma vie en Côte d'Ivoire. J'ai suivi tout de près. Je ne suis pas étranger à tout ce qui s'est passé dans mon pays. J'étais là. J'ai vu. J'ai condamné le coup d'État contre Bédié. J'ai jamais soutenu ça. Quand en 2002, mon pays a été attaqué, je me suis engagé aux côtés de la République parce que c'est mon pays. Donc, personne d'entre vous n'a de leçons à me donner. Je suis vraiment désolé. Et personne d'entre vous ne peut me donner des leçons. Je suis vraiment désolé. La crise ivoirienne, là, on sait ce qui s'est passé dans mon pays. On sait ce qui s'est passé dans notre pays. Guillaume Soro, là, lui et moi, on n'est pas promotionnel. Soro, il est plus âgé que moi. Soro est plus âgé que moi. Lui et moi, on n'a pas même âge. Parce que souvent, quand vous parlez, je vous écoute. Moi, Zasso, j'ai fait le choix de la légalité. Je n'ai pas fait le choix de la violence ou des coups d'État. Parce que mes parents ont souffert pour participer à construire ce pays. Moi, mes parents étaient des planteurs. Quand nous, on était enfants, on partait au champ avec nos parents qui payaient les impôts. Café, cacao, là, c'est ça qui a fait la Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous défendons, c'est notre pays qu'on défend. Ce n'est pas le président Ouattara que nous défendons, hein. Nous défendons notre pays. Parce qu'avant que le président Ouattara ne vienne dans la politique, la Côte d'Ivoire était là. La Côte d'Ivoire était là. Au fond, nous a donné 40 ans de stabilité. Nous sommes nés dans ça, dans cette stabilité. Aujourd'hui, là, on accompagne le président Ouattara, on est avec lui, parce qu'il fait ce que Félix Houphouët-Boigny a fait. C'est la stabilité. C'est-à-dire la protection, la défense de notre pays, qui est aujourd'hui notre combat. Tous ceux qui feront de sorte que dans ce pays, il n'y ait pas de guerre, il n'y ait pas de rébellion, il n'y ait pas de coup d'État, ils auront mon soutien. Moi, je suis un intellectuel, je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot pour jouer votre jeu. Je vais dire aux soroïstes, votre soro là, personne ne l'a envoyé d'aller faire coup d'État, d'aller prendre la tête d'une rébellion. Ibe nous a tout expliqué. Cette affaire de rébellion, il a tout dit. Ibe Dissoro était en France. Il est revenu, il m'a trouvé au Burkina. Je l'ai choisi comme porte-parole, l'État l'a fait si. Ceux qui ont fait la rébellion, on les connaît. Les premières heures de la rébellion, là, nous, on les connaît. Mais ils sont là, certains sont là. Certains sont morts, mais certains sont là. Soro a pris la tête d'une rébellion de façon opportuniste. La rébellion appartient à Ibé. Lui, il l'a pris de façon opportuniste.
sa chance, parce que son père spirituel, Laurent Gbagbo, était au pouvoir. Donc, ça lui a permis de contrôler 60% du territoire national. Mais dans ces 60% du territoire national, mais il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de crimes. Il y a eu beaucoup d'assassinats. Mais parmi ces assassinats-là, les Ivoiriens qui ont été tués sont nos parents, ce sont nos frères. Moi, j'ai dit un jour à Korogo, père à son âme, Amadou Gom, le ministre Sangafo est là. En pleine conférence, Sangafo assis ici, Amadou Gom assis ici, moi j'étais assis au milieu, au foyer des jeunes de Korogo. C'est là que j'ai dit aux gens de Korogo, moi mon grand frère était égorgé à Korogo. Ils l'ont attrapé, ils ont attaché ses pieds, puis on l'a engorgé. Il était gendarme. Écoutez-moi très bien, il était gendarme, mais ils l'ont égorgé devant ses enfants. Et à Korogo, tout le monde sait. Tous ces gens qui sont morts dans la rébellion, là, mais ce sont nos parents qui ont été tués. Pourquoi pour vous, on doit se taire sur ça? Mais ils ont laissé des enfants qui sont des orphelins, qui sont là. Mais pour eux, nous allons mener le combat. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Allez-y, dire aux prosoïstes que cette histoire de rébellion, tous ces crimes-là, ça soit parlera toujours, jusqu'à ce qu'un jour, un pouvoir arrive en Côte d'Ivoire et que justice soit faite. Il faut que justice soit faite pour tous ces crimes. Nous allons nous battre pour ça. Hein? On va doucement, doucement, on n'est pas pressé. On ne peut pas impunément, pour des questions de pouvoir, d'arguments inutiles qui n'ont pas de sens, venir tuer des gens, massacrer des gens. Et vous pensez que nous, on va laisser ce comme ça? On ne va pas le laisser. Je suis vraiment désolé. Nous n'allons pas le laisser. Il va rendre compte tôt ou tard. Quand Laurent Gbagbo a pris sa loi d'amnistie, son ordonnance, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je pardonne les crimes de Soro. Mais nous, on n'était pas d'accord. Mais Gbagbo l'a fait. On n'a pas parlé. C'est lui qui était chef de l'État. Nous, on s'est battus. Moi et mes gars, nous sommes allés voir Mamadou Coulibaly à l'Assemblée nationale pour dire à Mamadou Coulibaly de tout faire pour que cette loi passe devant le Parlement. Mais Mamadou Coulibaly s'est battu. Gbagbo n'a pas accepté. Gbagbo a pris une loi, une ordonnance. Il a pardonné à Soro. Mais quand on a fait ça, on t'a nommé ministre de la communication, premier ministre et autres. Mais quand on a fait tout ça, tu dois quand même te ressaisir. John Soro doit se ressaisir, mais Soro ne veut pas se ressaisir. Le problème que j'ai avec Soro, c'est ça. Il ne veut pas se ressaisir. C'est-à-dire que lui, il a tué. Et il continue de toujours créer les conditions, c'est-à-dire il continue de faire de sorte que la Côte d'Ivoire connaisse des crises où lui va tuer pour devenir président. Nous, on ne peut pas l'accepter. Nous, on ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas des idiots. Même si certains pensent que tous les parents qui sont morts pour rien, ça, c'est leur problème. Mais nous, pour la mémoire de ces parents-là, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes désolés. Oufou a pris ce pays-là 40 ans de stabilité. Donc, moi, j'ai grandi dans ça. Si maintenant, des gens, à un certain moment de l'heure de l'histoire, ont choisi la voie de la violence, la voie des assassinats, des crimes, on ne peut pas les encourager. Faut pas, ils vont compter sur nous. Faut pas, ils vont compter sur nous. Chers amis, chers soroïstes. Vous, la plupart qui soutenez Soro, c'est parce que la rébellion là, beaucoup d'entre vous, vous avez été dans la rébellion. Beaucoup d'entre vous, vous avez été dans la rébellion. Vous savez ce que vous avez fait dans la rébellion. Les parigots, les quoi, l'amiral blindé, les Nina, les quoi, vous avez tous été dans la rébellion. Et cette rébellion vous a profité. Si vous vous battez aujourd'hui, c'est pour vos intérêts que vous vous battez. Votre combat, que Soro soit président, pour que vous continuez d'être des gens, c'est ça qui est votre combat. Nous, on se bat, Zasso se bat, Johnny se bat, Gouza se bat, pour la stabilité, le développement dans notre propre pays. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Nombreux d'entre vous qui soutenez Soro, 90%, vous êtes des étrangers. Moi, je vous dis ça toujours, je ne vous cache rien. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous aimez plus vos pays d'origine. Aujourd'hui, la réalité est là. Vous soutenez l'AES. Vous défendez l'AES que la Côte d'Ivoire qui a tout donné à vos parents. Vous êtes prêts pour que la Côte d'Ivoire retombe dans la guerre. Vous êtes prêts pour que la Côte d'Ivoire retombe dans des crises. Comme si les crises de Boaké, les crises de 2002 là, ne suffisaient pas. Il y a eu trop de morts. Des femmes ont été violées. Des enfants tués. On recrutait des enfants dans la sous-région. On les mettait dans des camions.
des Baka et autres, et l'armée de Gbagbo les arrosait. On a vu la guerre Gbagbo, on a vu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, notre combat, c'est qu'on ne revienne plus à ça. À ce 21e, prendre des armes, tuer, s'imposer. Vous savez, c'est ça. C'est là que nous n'allons jamais nous attendre. Moi, souvent, vous faites vos vidéos, je vous regarde, mais vous me faites pitié. Parce que la plupart, vous êtes des illettrés. Comme moi, des gens qui viennent en France, vous vivez dans des pays de droits de l'homme. Vous vivez dans des pays où on ne tue plus. Ou quand tu tues, tu as fait ceci, tu vas en prison. Vous, vous soutenez Soro alors que vous vivez dans ce pays-là. Ce que Soro a fait là, s'il vivait en France, il y a longtemps, il est condamné à mort. Si Soro vivait dans un pays européen ici, là, il n'allait plus jamais faire politique. Et puis personne d'entre vous ne peut le soutenir. C'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire que vous faites ça. C'est parce qu'on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire qu'on tolère ce genre de choses. Sinon, la place de Soro là, ce n'est pas pour négocier avec quelqu'un. Ce n'est pas pour qu'il soit premier ministre ou même ici en Europe, il ne peut même pas avoir ambition de devenir président. Même au Ghana, il ne peut pas. Même au Sénégal, il ne peut pas. Au Sénégal, au Ghana, la Soro ne peut pas faire politique. Avec tout ce qu'il a fait là, il ne peut pas. C'est en Côte d'Ivoire qu'il est protégé par certains de ses parents. C'est nous faux du Nord qui le protège, qui joue des jeux que nous, on sait. Vous pensez qu'on est bête, on n'est pas bête. Hein? On n'est pas bête. Quand Guillaume Soro, quand Gbagbo t'amnistie, tu vas aux élections, on te confie l'organisation des élections. Mais c'est des milliards qu'on a donné à Soro. Quelqu'un qui a tué est devenu premier ministre, c'est un budget de plus de combien de milliards? C'est des dizaines de milliards que Soro avait, malgré qu'il avait une partie du Nord. Mais nous, on a combattu ça sous Gbagbo. On n'a jamais accepté ça. Vous savez pourquoi moi j'ai dit non à Gbagbo? C'est à cause de ça. Sinon, dans le gouvernement de Gbagbo, là, j'avais mes parents. J'avais mes parents. Moi, je ne suis pas dans un combat politique pour de matériel ou quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu les crises politiques et quand il y a eu des morts. Moi, je suis un légaliste. Je suis un homme sincère. Je ne suis pas dans un combat d'ethnie. Je ne suis pas dans un combat de tribalisme, non. Non, moi, Zasso, non. Sinon, si c'était un combat de tribalisme, mais moi, j'allais rester à Gbagbo. J'allais rester à Gbagbo. Mais sous Gbagbo, j'ai soutenu le président Ouattara. J'ai été au RDR, sous Gbagbo. Et au RDR, j'ai combattu Soro. Et tous ces gens-là, tout ce que quand Soro était premier ministre, là, tout ce qu'il faisait au président Ouattara, tous les petits coups-là, c'est nous qui faisions les conférences de presse. C'est nous les assos là, c'est nous. Nous que vous appelez les autres groupes ethniques là, c'est nous on parlait. Dans le RDA là, il n'y avait personne qui pouvait parler devant Soro. Même mes frères du Nord qui sont aujourd'hui là, qui bavardent là. Dans le RDA là, personne ne pouvait répondre à Soro quand il était premier ministre. On savait tout ce que les Sri Konaté disaient. Quand son avion a été attaqué, d'après lui, son avion, mais l'accusé du RDA, qui a parlé? Qui a parlé? L'avion que Gbagbo lui a donné, que lui il allait tourner son film dessus. Il a monté un coup. Pour que l'avion, notre avion présidentiel, Fokker 100, soit bombardé. C'est un film, la tournée. Dès la Venise, elle a tourné film. Moi, j'avais appelé ça film, mais à la fin, elle a tourné film. Il n'y a jamais eu de justice. On n'a jamais su qui a tué l'avion, qui a bombardé l'avion. Parce que Soro voulait se positionner au cœur de Gbagbo. Donc, il criait des choses. Mais le RDA, là, c'est nous, on dénonçait ça. Il y avait moi, Bouéange, Loukou Janou et autres, là, c'est nous, on faisait conférence. Mes frères qui sont là, qui parlent aujourd'hui, là, qui ont la grande gueule, là, personne d'entre eux ne peut lui rapport à Soro. Parce que la plupart ont tous mangé avec Soro. Eux tous les ont mangé avec Soro. Moi, je vais vous dire, vous, les Soroïstes, moi, j'ai été au RDR. Si moi, je voulais manger avec Soro, là, au RDR, là, le poste que j'avais, là, je pouvais rentrer toujours au Burkina. Je pouvais toujours rentrer à Boaké. Demandez à tous les cadres. Il y a des certains même, les week-ends, les voient boquer, ils vont voir les Ouattara et autres. Moi, je ne suis jamais parti. Je ne suis jamais parti. C'est moi qui vous dis là, jamais. Les gens m'ont dit, non, alors, Soro va nous donner les moyens, Soro va nous donner l'argent. Je dis, je ne vais pas. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, moi là, je suis ce que je suis. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas me convaincre. C'est le caca de mes parents qui ont fait la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont construit la Côte d'Ivoire. Chers amis, on est au rouge, mais partagez, faites un effort. Envoyez-les la vidéo. Vous parlez. Nous, on a combattu Soro depuis Gbagbo jusqu'au RDR. Au RDR, là, tout la mettre Bakayoko à la dernière minute, Soro a fait de sorte à les candidats, les quoi, là. Ils étaient tous des conseillers de Soro. Mais Soro, c'est pourquoi il faisait ça?
Parce qu'il voulait récupérer le RDR. Il était dans un deal avec Babo. Casser politiquement le président Ouattara et donner le RDR à Soro Diom. Le projet de Soro, là, ce n'est pas maintenant. La plupart des cadres savent. Moi, je connais de nombreux cadres qui étaient des intermédiaires directs entre Soro et Babo. Moi, j'ai fait le RDR. Je suis un sachant. Faites très attention. Moi, je suis un sachant. Moi, je ne vais pas dans un parti politique pour supporter comme un bête, quoi. Non, non. Quand moi, je viens, c'est pour apprendre, regarder, observer et apporter ma contribution. Et apporter ma contribution. C'est comme ça que moi, je suis. Hein. Et Dieu merci, j'ai fait les pays anglophones. Je suis aujourd'hui dans un pays stable de l'Europe. Donc, vous ne pouvez jamais vous entendre avec moi sur votre affaire de son. Je suis vraiment désolé. On ne peut jamais s'attendre. Pour quelqu'un qui a commis des crimes, on n'a pas invité Soro à prendre la tête de la rébellion. C'est lui-même qui allait prendre la tête de la rébellion. C'est lui-même qui allait faire le livre. Il dit qu'il est le père de la rébellion. Mais nous, on sait qui est le père de la rébellion, c'est Ibé. Mais aujourd'hui, Ibé a été tué. Mais Ibé, là, c'est votre frère du Nord. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est nous, les assos, là, qui parlons de la mort de Ibé. C'est nous qui demandons que justice soit rendue. C'est nous qui nous battons pour que Ibé, là, on sache qui l'a tué. Mais vous-même qui êtes ses frères du Nord, là, vous avez une fois parlé? Nombreux d'entre vous aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, est-ce que vous parlez de Ibé? Vous ne parlez pas de Ibé. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Ibé, là, c'est lui qui a fait le commando invisible, qui a fragilisé le régime Gbagbo. C'est Ibé, là, qui a fait le commando invisible. Vous parlez, non, Soro a fait Ouattara. C'est Soro qui a fait la guerre pour la rébellion pour Ouattara. Soro n'a jamais fait de rébellion pour Ouattara. Et je vous le dirai chaque jour. Soro même sait qu'il n'a jamais fait de rébellion pour le président Ouattara. Jamais. Cette rébellion appartenait à Ibé et son camp. Soro a été qu'un opportuniste. C'est ce qu'on appelle un opportuniste. Il a profité d'une situation. Si les Ibé étaient là, on n'allait même pas avoir d'Ivoirien qui allait mourir dans le Nord. Tous ces gens sont morts parce que les Ibé n'ont pas su prendre le contrôle de leur situation. Que je dénonce même d'abord. Ils ont laissé Soro récupérer ça. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de fils du Nord qui sont morts. J'ai été dans le Nord. Quand j'étais porte-parole du président Ouattara, je suis allé dans le Nord. Je suis allé jusqu'à l'Ouest. J'ai entendu des choses. Ce qui s'est passé dans la rébellion, Soro là, on doit l'arrêter. Et il sera, ça dit, lui là, c'est en prison, prison là, sa vie. Il ne va plus s'en sortir. C'est parce que le pouvoir joue. Sinon, lui là, il y a longtemps, on l'arrête, on le met en prison quelque part dans un pays là-bas, on la ferme. On a fait chalater là. Moi, je leur ai dit depuis, ils ont joué à Soro. En 2017, pour quelqu'un comme Babo Amistié, tu as été président de la, tu as été premier ministre de Babo. Tu as organisé les élections. Les élections se sont terminées avec combien de morts? 3000 morts. Mani dit 11000 morts. C'est Soro qui a organisé les élections. On lui a donné l'argent. On lui a donné l'armée. Soro même contrôlait l'armée de Babo. C'est pour ça qu'il ne s'attendait pas avec autre chose, le général Philippe Omangou. Parce que pour Philippe Omangou, il ne peut pas accepter que celui qui l'a combattu au front devienne son patron. Mais Soro était le patron de Mangou. Il contrôlait notre armée sous Babo. Babo a mis toute sa confiance à Soro. Il a même déstabilisé la fille Nguessa. La fille était devenue des plus hommes faibles quand Soro est devenu premier ministre. Il y a trop de choses qu'on n'a pas envie de dire. Il y a trop de choses qu'on n'a pas envie de dire. Ta fille ne pouvait même pas parler devant Soro. Au FPI, là, moi je voyais les bleus goûter, tu courais pour aller à Ouagadougou. Et à Soro, tout ce qu'ils ont fait comme caravane de la paix, quoi, ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a jamais intéressé, moi, Zasso, jamais. Il faut que ça soit dans vos oreilles. Ça ne m'a jamais intéressé. Tout ce qui était pro-Soro ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour les coups d'État. Je ne suis pas pour les crimes. J'ai choisi la légalité politique. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé dans des bons pays. C'est Dieu qui fait les choses. Hein. Aujourd'hui, là, je ne compte pas sur quelqu'un. Je suis arrivé dans un pays où on m'a respecté. De tous les pro-Babo, là, nombreux ont tenté de rentrer dans ce pays. Ils ont été tous chassés. On les a tous chassés. Nombreux gars, demandez-les, vont vous dire, les Gadi, c'est lui, tout leur groupe là, nombreux me voulaient rentrer en Suisse. Les Diaby qui sont aujourd'hui, Blé Goudé qui sont aujourd'hui avec Babo PPAC, les Diaby Youssouf. Et même ils sont venus ici, ils ont fui, ils sont partis. Si les Blancs m'ont respecté là, ce respect là, je vais l'imposer. Ici, la Suisse là, moi là, j'avais des éléments de preuve. Moi, je suis un homme politique. C'est pas Babo qui m'a donné mon asile. Non, mon asile là, c'est moi. C'est mon combat. Les preuves existent. Ils ont tapé sur Internet, ils ont vu des preuves, des vidéos, ils ont vu. Je suis un homme politique. Moi, je ne suis pas comme vous, on n'est pas la même chose. C'est parce que moi, j'aime mon pays que je continue d'être ici et de défendre mon pays.
C'est parce que j'aime mon pays là que je suis ici et je défends mon pays. Vous faites des vidéos, si ce n'est pas Johnny, c'est Gouza, c'est Zasso, parce qu'on est bêté. Vous voyez votre mentalité. Ça dit que vous, vous voulez être entre vous, les fils du Nord et les Doula, entre vous. Mais moi, je connais vos mentalités. Je connais vos comportements. Tout ce que vous faites là, moi, je sais. Vous m'en avez, je suis bête. Moi, j'ai été au RDR. Ce qui se passe là, ça a commencé depuis le parti. Vous pensez qu'on est obligé d'être sur les réseaux sociaux? Non. On est sur les réseaux sociaux parce qu'on est conscient. Tous les projets que vous êtes, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de préparer pour tuer les Ivoiriens, nous sommes conscients de ça. C'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux. Sinon, les réseaux sociaux, ça fait gagner l'argent. Ça fait gagner l'argent. Moi, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui, à partir des réseaux sociaux, ils sont devenus riches. Mais nous, on a choisi de faire la politique. Moi, je pouvais être, comme on appelle ça, un cyberactiviste. Et taper sur tous les systèmes politiques, j'allais m'enrichir. J'allais aller partout où je veux. Mais si je suis là, c'est parce que j'aime mon pays. Et c'est parce que j'aime mon pays. Aujourd'hui, j'ai deux pays. Après la Côte d'Ivoire, j'ai la Suisse, où j'ai ma famille. Est-ce que vous comprenez? Vous, là, votre combat, là, ça dit faire croire à certains de vos frères du Nord et autres qui sont dans le RHDP que nous, les BT, on est ceci, on est cela, on est comme ça. Mais Babo, là, c'est un BT qui est au pouvoir. Pourquoi Soro a créé la rébellion sur lui, alors? Si les BT sont aujourd'hui des choses, pourquoi vous avez fait rébellion sur Babo? Pourquoi vous avez déstabilisé Babo? Mais nous, on est libre de soutenir le président Ouattara. On est libre. Moi, je ne fais pas la politique d'une ethnie. Moi, je fais la politique de mon pays, la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Quand il y a les élections là, vous me voyez en Côte d'Ivoire partout. Je suis au nord, je suis à l'est, je suis à l'ouest. Mais c'est la politique que j'ai choisie. Moi, je n'ai pas choisi la voie des coups d'État et des rébellions. Non. Johnny Pacheco a choisi la voie de la démocratie. Gouza a choisi la voie de la démocratie. C'est quoi votre problème? C'est vous qui avez décidé de faire le coup d'État. C'est votre problème. C'est votre problème. Je vous attends dire que oui, oui, les assos, les Johnny sont des mendiants, ils sont ceci, ils sont cela. Au RHDP, on ne les considère pas. Qu'on nous considère au RHDP, qu'on ne nous considère pas, moi, je m'en fous de ça. Ce qui est important pour moi, c'est que le président Ouattara crée les conditions de la stabilité de notre pays. Aujourd'hui, quand je suis à l'aise, quand je rentre dans mon pays, moi, je vais dans mon pays, je reviens, je suis à l'aise. C'est ça qui est important. Au RHDP, là, avant d'être RHDP, nous, on a été au RDR. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. Rien ne me fera dedans. C'est un groupe de personnes qui ont décidé de vivre en autarcie, de vivre en clan et en club d'amis. Mais je connais ça. Même le RDR, qu'on a voulu me nommer porte-parole, mais ça a été des batailles. Il y a des gens qui se sont opposés, qui ne voulaient pas. Alors que c'est mon travail de terrain. Que le président Ouattara met Bakayoko Amadougou à Montan ou en précis. Moi, c'est le travail, c'est le terrain. Moi, je n'en dis pas poste. Moi, j'étais là et Ahmed m'appelle pour dire, ah, on va te nommer pour parole. Mais quand on a soumis ça aux gens, il y a eu des palabres, les gens ne voulaient pas. Maintenant, Ahmed est mort, Amadougou est mort, à Montan, on n'est plus là. Mais si un groupe aujourd'hui est là pour dire, on verrouille les assauts, mais c'est leur problème. C'est leur problème, nous, ça ne nous intéresse pas. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça, je vous dis ça, la vérité, vous les sororistes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, Zasso, des réseaux sociaux, je ne fais que les interpeller. S'ils veulent, ils écoutent. S'ils veulent, ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Moi, je connais le parti. J'étais un homme de terrain. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Avec tout l'Amadou Sarrogo, la Montano, de quoi, comment on appelle ça, les Bitogo. Mais au RDA, j'étais partout avec eux. Mais c'est parce que moi, là, je suis honnête quand je parle. Je suis sincère. Je suis sincère dans mes dires. Je suis sincère dans mes dires. C'est pour ça que j'ai été nommé, je n'ai pas mandé de poste à maître qui m'a appelé un soir. Je dormais même. Il a envoyé son frère, Faye, il dit, ah, allez, et puis on m'a nommé. C'est le travail, c'est le terrain. Nous, on est les hommes de terrain. Quand on interpelle les cadres du RDR, du RHDP pour leur dire, créer les conditions pour qu'on travaille sur le terrain, je sais de quoi je parle. Parce que c'est le terrain qui a donné 32% au président Ouattara. Si le président Ouattara a eu 32%, c'est le terrain. Moi, je connais les forces et les faiblesses de mon système. C'est pour ça que je les interpelle. Maintenant, s'ils veulent vivre entre eux,
les frères du Nord, faire les trucs entre eux. Mais c'est leur problème. S'ils ont décidé de créer un club de personnes qui n'ont pas de vision pour demain, mais ça, c'est leur problème. Est-ce que vous me voyez encore les interpeller? Je ne les interpelle pas. Ça ne m'intéresse pas. Et je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Moi, Zasso, votre John Soro, quand il a fait sa tentative de déstabilisation à Boaké en 2017, quand il s'est retrouvé en Russie, c'est votre Moussa Touré là qui m'a appelé ici, sur Facebook. C'est entre Facebook et Skype. Mais je sais que c'est sur Facebook. Un matin, parce que j'ai bossé la nuit, matin, je me réveille, je finis, et puis je vois mon téléphone qui sort. Et je vois Moussa Touré. Et lui, il s'est présenté à moi. Moussa Touré, il s'est présenté. Il dit, ah, je suis Moussa Touré, le chargé de communication de Guillaume Soro. Ton frère Soro veut te parler. Et je lui ai demandé, c'est pourquoi. Il a donné ses raisons. Il a tenté de me convaincre pour rejoindre la cour au combat de Soro. Je lui ai dit, je ne peux pas. Et je vous dis ça dans mes vidéos. Moussa Touré, là, il vit. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas. Ce que vous dites dans les vidéos, non, les gens là, ils s'en foutent de vous là. Mais Moussa Touré m'a dit ça. Il m'a dit que les gens du RDL, là, tout le travail que tu as fait, même tu es allé à la télévision, les ont fait ça exprès. Ils t'ont mené à la télévision parce que tu es bêté. Ils voulaient te déstabiliser. Mais Moussa Touré m'a dit tout ça. Je l'ai écouté pendant 10 à 15 minutes et je voulais voir ce qu'il voulait dire. Mais j'ai tout compris. Donc, tout ce que vous dites là, je sais tout ça. Je sais tout ça. Moi, j'ai décidé de soutenir le président Ouattara parce que je suis contre les injustices, les discriminations. Je suis contre le communautarisme, le régionalisme. Le président Ouattara avait été traité de tout, humilié de tout. C'est pour ça que nous, on a pris ce risque. Et ça a été un bon combat dont je suis fier. Si ça reprend là, je vais toujours reprendre. Je vais toujours reprendre. Parce que vous parlez, ah oui, ils ont trahi. Mais qui a créé la trahison là? C'est ceux qui ont fait la rébellion, qui ont tué des Ivoiriens. C'est ceux-là qui ont trahi. Donc si quelqu'un a trahi, c'est ça. C'est votre Soro là qui a trahi. Votre Moussa Touré là, il voulait que moi je sois avec Soro. Parce qu'eux, ils se disent que nous, les assos là, si on soutient Soro là, son image là, Soro là, il va s'en sortir. C'est ce qu'eux, ils voulaient. C'est ce qu'eux, ils voulaient. Ils voulaient que nous, les autres groupes ethniques, qu'on soit avec Soro pour qu'il soit fort. Malheureusement, il n'a pas eu notre soutien. Soro n'aura jamais mon soutien. Je l'ai combattu sur Gbagbo. C'est pas hier que moi j'ai connu Soro. Soro, je l'ai connu quand on nous a dit qu'il était premier ministre de Gbagbo, il était dans la rébellion. Quand il était à l'université, à la FESI, tout ça, c'est là que nous, on connaissait bien Soro. Mais j'ai jamais vécu à Soro. J'ai jamais mangé à Soro. Soro a été président de l'Assemblée nationale. Moi, j'étais en Suisse ici. Je n'ai jamais demandé d'audience à Soro. J'ai attendu une inconsciente notoire qu'on appelle Nina. Elle est sur les réseaux sociaux là. Elle gueule. Moi, Zasso, je n'ai jamais demandé d'audience à Guillaume Soro. Jamais. Si je voulais demander audience à Soro, je voulais fréquenter Soro, mais c'était dans la rébellion. Quand il était dans la rébellion. Lui, il était dans la rébellion. Il faisait ses deals avec les gens du parti, du RDR. Moi, je le voyais avec les gens du RDR. Moi, je pouvais aller là-bas. Je connais des leaders de jeunesse qui partaient voir Soro à Boaké. Je ne l'ai jamais fait. Je suis constant dans mon combat. Et je ne vais pas reculer. Je ne suis pas dans une course avec quelqu'un. Non. Il y a eu des gens qui sont morts. Tous ces gens qui sont morts là, vous ne parlez même pas d'eux. Maintenant, ces assos, c'est Johnny, c'est Gouza, c'est nous vous insultez parce qu'on est bêtés. Mais c'est du tribalisme ce que vous faites. Votre combat, c'est de rester entre vous, les fils du Nord, et entre vous, les Doula. Parce que les fils du Nord, là, je les connais. Et je vous dis toujours que dans ce système-là, que vous soyez soroïste, que vous soyez au RDR, il n'y a pas quelqu'un qui va me donner des leçons. Parce qu'on se connaît. Je parcours tout le Nord. Et vous qui faites les vidéos qui insultez là, il suffit seulement que je prends ton nom, j'appelle dans ça, on va me dire d'où vous venez. Moi, je suis allé à Korogo. Je suis allé à Bondiali. Je suis allé à Bangui. Je suis allé partout. Mais quand tu vas là-bas, on te dit, lui, il vient d'ici. Lui, il vient de là. Ceux-là, c'est des Maliens. Ceux-là, c'est des Burkinabés. Ceux-là, c'est des Guinéens. On me dit tout, je sais. C'est entre vous-même là, vous nous dites. Qui est qui? C'est pas moi qui le dis. C'est entre vous là, vous vous citez. C'est entre vous là, vous dites, lui là. Moi, Zasso, je note. Je note. Et quand je regarde vos comportements, des enfants qui sont des vrais Ivoiriens, qui sont des vrais fils du Nord, qui sont des sénéphos, ne peuvent pas dénigrer la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un vrai fils, plus sénépho qui va dénigrer la Côte d'Ivoire. Koyaka, Maoka et autres dénigrer la Côte. Même Tabana, ils aiment leur pays. Mais vous là, vous venez d'où? Vous savez d'où vous venez, c'est pour ça que vous avez la haine pour la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que nous, on va jouer votre jeu? Personne ne va jouer votre jeu. Je suis désolé pour vous.
Kena, Zassou a demandé au Dia Sassoro. Moi, j'ai demandé au Dia Sassoro pour avoir quoi. Il va me faire quoi? Il va m'apporter quoi? Soro vit en France ici. Moi, Zassou, c'est moi qui ai demandé audience par rapport à quoi. Ici, je ne suis pas malheureux. Je suis arrivé en Suisse, ils m'ont donné grosse maison. J'ai assurance, j'ai tout. Et puis, ils viennent me mettre en bas de vos voyous délinquants là. Attends, moi, c'est ma dignité. Hein. Moi, mon combat a toujours été honnête. C'est pour ça que je ne suis pas allé en France. Les gens voulaient que je reste en France comme réfugié. Je dis jamais. J'ai un ami qui m'a dit depuis longtemps au Ghana, ils m'ont dit, à quoi ton combat là? Il faut aller soit en Suède ou il faut aller en Suisse. Il faut aller dans des pays où tu auras une crédibilité. Si j'étais aujourd'hui en France, je serais la risée de tout le monde. Regardez les gens qui ont été les pro-babos qui sont en France, les Serge Kassi, les Gadi Seri, regardez leur vie. Je vois comment les gens vivent là-bas. Ils sont obligés de courir chez les gens. Parce que le système, ils sont... Mais moi, je vois tout ça. J'ai vu tout ça. Ils sont en France. Comment même pour dormir, vivre même, c'est difficile. Moi, je viens dans un pays, c'est Dieu qui m'a amené ici. Et ce pays-là, je l'aime. Je le respecte. C'est Dieu qui m'a envoyé dans ce pays. C'est Dieu. Ils ont pris, ça dit, ma famille. Mais c'est ça. C'est Dieu qui m'a envoyé. Moi, mon combat est honnête. Quand tu es honnête là, Dieu te bénit. Sinon, je vois les Gadi Seri qui soutiennent les blagues et qui soutiennent les Soro. Mais ce n'est pas Soro, les Serge Kassi soutiennent Soro. Mais ce n'est pas Soro qui a renversé Babo. Soro qui a renversé Babo là. Mais je vois des pro-babos le soutenir aujourd'hui. Ils signalent, ne signalez pas la vidéo. C'est déjà la vidéo, la page Facebook est déjà détruite. Mais après, je vais venir sur TikTok. Après ça, là, il m'a acheté TikTok. Voilà, après ça, je m'a acheté TikTok. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, Zassou, je n'ai jamais rien demandé à Soro. Jamais, ça ne m'intéresse pas. Soro, là, regarde, je suis allé à l'Assemblée nationale. Le seul président de l'Assemblée nationale, dès que je connais, Mamadou Koulibaly, au temps du régime Babo, et Amadou Soumarou. J'étais en France ici, Kamadou Soumarou, je suis ici, Kamadou Soumarou m'a appelé. Il dit, faut venir. Je suis allé à Abidjan, je suis allé le voir. Je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai encore les photos, le désastre, le désordre que ce roi a créé à l'Assemblée nationale. Les toilettes, les quoi sont sales. Aujourd'hui, là, si on fait les audits de la gestion de Soro à la tête de l'Assemblée nationale, c'est des milliards qui sont sortis. C'est des milliards qui sont sortis. Amadou Soumarou m'a dit ça. Ils n'ont qu'à faire les audits, je mets le pouvoir au défi. Ils n'ont qu'à faire audit de la gestion de Soro. Mais je voyais des gens ici comme l'Hassan Ayak là. Mais tout cela, c'était les hommes de Soro à l'Assemblée nationale. Vous avez tout vu ici, vous m'avez une fois vu, moi faire lettre d'audience à Soro. Mais vous avez un gros problème. Moi, quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Tu ne peux rien me faire, tu vas me faire quoi? Je suis dans un très bon pays. Je vis bien, je n'ai pas de problème. Si je veux, je travaille. Si je veux, je ne travaille pas. Où est votre problème? Je ne suis pas un aventurier pour qu'on m'impose quoi que ce soit. Vous ne connaissez même pas le système suisse. Vous bavardez. Vous ne connaissez pas le système. Ici, quand je venais ici, on m'a dit pour la première fois que tu n'es pas venu chercher travail. C'est parce que tu as un problème, il y a une crise que nous, on t'accepte d'abord sur notre territoire. Vous ne connaissez pas le système. C'est vous qui bavardez. Ici, là, moi, je n'ai pas de problème de boulot. Je suis le premier qui est arrivé ici, qui a créé son entreprise. Attendez, vous parlez. Vous avez quel problème? Moi, aujourd'hui, mon combat n'est pas pour travailler pour les gens. Moi, je me bats pour travailler pour moi-même. Moi, je me bats ici, là. Les gens travaillent pour eux-mêmes. On ne travaille pas pour quelqu'un. Je ne suis pas comme vous qui êtes assis à Paris. Et vous vous battez pour travailler pour les gens. Pourquoi on vous paye 1500 euros? 1000 euros. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai un statut de réfugié politique. Et ça, je vous dis ça toujours. Aujourd'hui, là, j'ai fini avec ce statut. Voilà. C'est tout ça, ça est derrière moi. Je suis en train de changer une autre vie. Mon futur combat, là, comment faire maintenant pour prendre ma nationalité? Ici, là, je vais rester ici. Je vais m'asseoir ici. Pour mieux me protéger. Ah, mais oui. Moi, j'ai dépassé ce système de réfugiés. Je ne suis plus à ce stade. Vous parlez. Vous connaissez ma vie. Moi, je dois monter sur les réseaux sociaux pour venir vous signaler, expliquer ma vie, Zassou et ceci. Mais vous qui êtes derrière Soro, là. Mais c'est parce que Soro vous paye. Vous tous là, Soro vous paye. Soro vous paye. Toutes les vidéos que vous faites là, Soro vous paye. Que ce soit Soulé, que ce soit Zouzou, que ce soit tout, vous mangez tout ça, Soro. Mais l'argent que Soro a là, Soro a travaillé où? Dites-moi, dans quelle entreprise, dans quelle administration Soro a travaillé? Soro n'est pas un enfant du riche. Son père était un homme pauvre. J'ai été chez lui. Je connais chez lui à faire quoi.
C'est dans la rébellion là qu'il a construit une maison dans son village, afin que maintenant il n'a pas maison. Vous soutenez quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui n'a jamais rien fait. Mais ici, là, en Suisse, là, quand moi je suis venu ici, là, depuis que je suis venu, le premier jour, va au travail. Aïe, vous êtes là, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Parce que pour vous, nos frères qui sont aujourd'hui autour du président Ouattara, qui sont des fils du Nord, ils n'ont qu'à, ça dit, faut pas, ils vont nous associer au combat du président Ouattara. Donc, vous faites des trucs pour nous dénigrer, et puis eux, ils tombent dedans. Mais je sais. Je sais tout ce que vous faites là. C'est pour convaincre vos frères du Nord, qui sont aujourd'hui des hommes forts autour du président Ouattara, à ne pas nous associer au combat actuel. C'est ça votre combat. Il ne faut pas nous avoir les moyens, il ne faut pas avoir les marchés, il ne faut pas avoir les financements. Non, c'est votre comportement. Je vois ce que vous faites. Mais ce que vous ne savez pas, la plupart de tous les pro-Soro qui ont combattu Ouattara, qui ont créé le mouvement Soris, aujourd'hui sont dans le système du RHDP. Ils sont nombreux comme ça, je connais leur nom, je les connais. Ils ont combattu le président Ouattara, même 2020, désobéissance civile. Et tous qui ont combattu le président Ouattara ont été tous acceptés. J'ai vu des ministres même organiser des cérémonies où d'autres même ont demandé pardon. Ils sont allés chercher leurs frères, puisque c'est leurs frères du Nord. Ils sont allés les chercher, on les a mis dans le système. Ils ont eu des financements, ils ont eu des marchés, ils ont eu des financements, ils ont eu des marchés parce que ce sont vos frères du Nord. Ce que vous faites là, nous on voit. Vous pensez qu'on est bête? On n'est pas bête. Cela en priorité, c'est d'abord la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Comment aider le président Ouattara à réussir là où Bédié n'a pas réussi, où Babo n'a pas réussi, où Gueye n'a pas réussi? C'est ça qui est notre combat. Hein? Aider le président Ouattara à réussir là où les autres ont échoué. C'est pour ça que moi je soutiens le président Ouattara et je suis avec lui, personne ne peut me distraire. Personne. Vous parlez, mais la plupart de vos frères du Nord qui ont combattu le président Ouattara, mais ils sont tous avec le président Ouattara, ils sont dans son système aujourd'hui. Je connais des postes qu'ils occupent. Ils sont puissants. Comme nous, nous sommes bêtés, vous nous attaquez. Vous nous attaquez et vous jouez aux hypocrites avec les certains partisans de Babo. Mais c'est vous qui avez déstabilisé Babo. Quand vous avez déstabilisé Babo, nous, on a soutenu le pouvoir de Babo. On s'est battu pour que son pouvoir soit là. Mais comme il a nommé Soro premier ministre, il a fait de Soro homme fort. Moi, je lui ai dit merde. Je lui ai dit merde. Vous pensez que c'est moi? Je suis quelqu'un, je suis cohérent. Et puis, je vais vous dire, comment je soutenais le président Ouattara, je n'ai pas vu le président Ouattara avec des armes. Le président Ouattara, quand je le soutenais, il était président d'un parti politique qu'on appelle le RDR. Quand j'ai soutenu le président Ouattara, il était président d'un parti politique qu'on appelle le RDR. Il avait une équipe. Il a un cabinet. C'est un homme bien organisé. Un homme que moi j'aime bien. C'est comme ça que je l'ai connu. Je ne l'ai pas vu à la tête d'une rébellion. Je ne l'ai pas vu avec des armes. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que j'attends certains individus parmi vous. Non, Zasso, le combat de Soro profite au RDR. Votre combat, moi Zasso, ça ne m'a pas profité. Je suis désolé. J'ai connu une personnalité importante. Tu as fait le Fonds monétaire international, qui a été BCE, qui a été Premier ministre. Que j'ai vu, avec qui j'ai parlé. Quand il était président d'un parti politique, il n'était pas, s'il avait fait la rébellion, pourquoi Babo n'a pas négocié avec lui? C'est nous, on a dit dans les agorés parlement, aux gens de Babo, si vous dites que Ouattara est le père de la rébellion, pourquoi vous ne portez pas plainte contre lui? J'ai demandé. Vous pensez que moi je suis un idiot comme vous, des moutons comme ça, vous qui ne savez même pas réfléchir, vous ne pouvez même pas poser des débats vis-à-vis de certains de vos cadres, vous êtes muets, vous êtes comme des lâches, moi je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui a personnalité ou quoi, mais moi, je vais te répondre. Et aujourd'hui, Dieu merci, au Ghana, là-bas, j'ai été reçu par l'ancien président qui est décédé. Quelle personnalité qui ne m'a pas reçu au Ghana? Même les chefs rois. Ici, là, quelle personnalité qui ne me reçoit pas? Ce n'est pas devant les cadres là que je vais m'abaisser. On est des camarades dans une lutte. Dans une lutte, on est camarades. S'il y a des choses qui ne marchent pas, je peux les interpeller. Je peux les interpeller. Vous êtes des tribalistes, vous êtes des communautaristes. Votre combat que vous menez avec Soro, là, c'est pourquoi vous, là, les gens du Nord, là, vous contrôlez le pays. Aujourd'hui, vous êtes dans un combat pour que vous, les Senufo, vous soyez plus forts que tout le monde. C'est ce que vous faites. Votre Soro, c'est son combat. C'est son combat. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne soutiens pas le président Ouattara, n'a jamais été à la tête d'une rébellion. Babo Laurent était au pouvoir. Il avait la justice, il avait tout. Babo ne m'a jamais démontré à plus B que le président Ouattara est le père de la rébellion. Moi, je me suis battu pour que Babo, même dans les agora, moi, j'ai été humilié, j'ai été frappé. Qu'est-ce que j'ai pas connu? Parce que je leur disais, mais si vous dites que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion, mais envoyez les preuves, portez plainte. Il n'y a jamais eu de plainte.
En 2004, Laurent Gbagbo a lancé l'opération Dignité. Vous, l'amiral Blindé qui parlez là. Vous attaquez aujourd'hui la France. Mais c'est grâce à la France que Soro a réussi à rester à la tête de la rébellion à Boaké. Quand Gbagbo a lancé l'opération Dignité en 2004. Si la France n'avait pas bombardé l'armement de Gbagbo, mais Gbagbo libérait Boaké. Mais c'est la France qui a protégé Soro. C'est la France qui a fait que Soro est resté à la tête de la rébellion. Sinon, en 2004, l'opération de Dignité de Gbagbo a été un succès. L'opération Dignité de Gbagbo a été un succès. Mais c'est la France qui a empêché les choses pour permettre à Soro de rester à Boaké. Vous avez la grande gueule, vous parlez. On va vous répondre. On va vous répondre. Nous, on va vous répondre. On n'a pas les moyens, on n'a rien. Mais nous, là, on vous fatigue. C'est-à-dire, tous vos plans, là, nous, on garde ça. C'est-à-dire, tous vos plans de déstabilisation, là, nous, on garde. Au RDL, là, les gens me connaissent. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas d'accord. J'ai été celui qui a combattu Soro quand nous, on était au RDL. Nous, que j'avais là, Boué Angela. C'est nous, trois, quatre, là, on avait un groupe. C'est nous, on répondait à Soro. Parce que Soro attaquait le président Ouattara. Soro attaquait le président Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui allait répondre. C'est nous. C'est pas maintenant que j'ai commencé mon combat. Hein. Ça, je vous dis la vérité. C'est pas maintenant nous on a commencé le combat. Il faut que ça soit dans vos oreilles. Il y a longtemps nous on est dans ce combat. Il y a longtemps que nous on est dans ce combat. Soro c'est qui? C'est un Ivoirien comme moi. Il fait des choses, mais je vais lui dire la vérité. Où est le problème? C'est vous qui courez derrière lui pour son argent. Vous tous là, vous suivez de l'argent Soro pour, par rapport aux miettes qu'il vous donne. Quand il était à l'Assemblée nationale, dans la rébellion, mais vous a trop nourri. La rébellion vous a tous nourri. Ah oui, c'est vous qui êtes redevable à Soro. Moi, je ne suis pas redevable à Soro. Moi, Zasso, je ne suis pas redevable à Soro. Moi, Zasso, là, je ne suis pas redevable à Guillaume Soro. Je ne suis pas redevable à Soro. Je ne suis pas et je n'attends rien de ton Soro. Devant Soro, là, je n'attends rien de lui. Je suis dans un pays où Dieu m'a béni. Voilà. Je n'attends rien de Guillaume Soro. Aujourd'hui, là, vous parlez, mais la plupart de tous les soroïstes qui ont combattu le président Ouattara, comme c'est vos frères du Nord, là, vous les avez tous pardonnés, ils sont dedans. Ils sont à des postes importants, ils sont des hommes d'affaires, ils sont aujourd'hui puissants. Vous avez organisé des cérémonies pour les recevoir, pour pardonner tout ça. J'ai ça. J'ai vu. Johnny, que vous voyez là, il gagne quoi dans ce système? On sait ce qu'on appelle gagner des choses dans un système politique. Moi, je suis un homme politique, je sais de quoi je parle. Quand Gbagbo était au pouvoir, on avait combien de ministres? 7 ministres. Mais on sait ce qu'on a eu pour faire le combat du RDR. On sait ce qu'on a eu pour faire le combat du RDR. Nos ministres étaient des hommes ouverts, qui avaient un très bon esprit, avec qui on s'asseyait pour parler du parti. Comme moi, on allait organiser notre stratégie. C'est nous, on a fait venir plein de pro-Gbagbo au RDR. C'est nous. Moi, c'est le travail. Parce que je connais mes frères, la nombre sont limités. C'est-à-dire, ils s'enferment entre eux. Ils vivent en autarcie. Tu les vois comme ça aujourd'hui, ils sont là, ils ont les moyens, mais ils ne peuvent pas aller vers les autres pour les convaincre. Moi, je les connais. Si moi, je parle, je sais de quoi je parle. Quand je dis créer les conditions pour qu'on travaille, c'est pour 2025 que je m'inquiète. C'est pour 2025 que je m'inquiète. Je ne peux pas prendre mon argent pour aller faire un combat politique, toute une lutte que j'ai menée au RDR. Aujourd'hui, je vais prendre mon propre argent pour encore aller sur le terrain. Je l'ai fait. Mais je n'en ai plus, je ne peux pas le faire. Du vivant d'Ahmed Bakayoko, on était bien. Ahmed, là, moi j'étais ici, vous dites, ah, Zasso a fait ça. Mais Ahmed m'a appelé ici. C'est Ahmed qui a fait que je suis rentré à Abidjan. Ahmed, pourquoi Ahmed ne me dit pas, Zasso, toi tu as trahi? Pourquoi Madou Gond ne me dit pas que Zasso, toi tu as? Pourquoi moi, pas, ne le dit pas? Mais c'est vous les idiots, là. C'est vous qui le dites, pardon. Vous êtes ici dans le système. Moi j'ai perdu mes deux grands frères, moi j'assume. Moi j'ai perdu mes deux grands frères, moi j'assume. Amadou Gon est mort, Ahmed est mort. Aujourd'hui, à mon temps, nous n'est plus dedans. Non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je ne fais que interpeller le système pour éviter que ce qui est arrivé à Gbagbo, là, ça arrive au président Ouattara. Aujourd'hui, là, qui aujourd'hui déstabilise le président Ouattara? C'est vous, c'est vrai du nom. Tous ceux qui se battent aujourd'hui pour déstabiliser le président Ouattara sont des fils du nom. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Vous avez dit, on a pris les armes. Mais comment vous prenez des armes pour quelqu'un, et vous cherchez maintenant à le déstabiliser. Ça veut dire que les armes que Soro a pris, là, c'était pour lui-même. Soro a pris la tête de la rébellion parce qu'il a vu que Gbagbo était au pouvoir. Il était bien parti pour devenir quelqu'un. Comment faire? Il fallait prendre la tête du RDR. C'est nous, on a mené le combat.
Je n'ai jamais accepté que Soro, même quand il était à l'Assemblée nationale, mais lui-même il a dit, Soro voulait qu'on lui donne le poste de vice-président du RHDP. Mais c'est nous les assos, on a parlé. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Ahmed vivait, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Ahmed, j'ai appelé Amadouko, j'ai dit, ça là, ne le faites pas. Ce n'est pas Soro qui va être le successeur direct du président Ouattara. Soro a fait une rébellion que nous, on n'a pas reconnue. Est-ce que nous, au RDA, on a reconnu la rébellion? On n'a pas reconnu la rébellion. Comment lui, chef rebelle, va venir puis va être vice-président du RHDP? C'est pas possible, je l'ai dit, j'assure. Vous savez pourquoi vous nous combattez? Parce que Johnny, Zasso, Gouza, le trio là, vous ne pouvez pas. Johnny, Zasso, Gouza, le trio là, même votre opposition ne peut pas. Vous ne pouvez même pas. Parce que sur toutes les questions, nous on est prêts. On n'a pas de problème. Vous faites des vidéos pour pousser certains de vos frères du Nord qui contrôlent aujourd'hui le système d'avoir eu, c'est-à-dire d'être ingrat et méchant vis-à-vis de nous. Ils ne veulent pas qu'on fasse la politique. Ils veulent nous mettre dans des positions de faiblesse. Ce qu'on fait là, je vois, vous pensez que je suis bête, ils veulent nous affaiblir. Parce qu'au RDL, là, nous, on était forts. Aujourd'hui, il faut affaiblir Zasso. Il faut affaiblir Gouza, il faut affaiblir Johnny. Mais le combat que nous, on mène là, on ne mérite même pas ça. Si on dit des gens mènent aujourd'hui le combat du système, là, c'est nous. C'est nous. Parce que nous, là, on est bêtés. Et quand on parle, les gens écoutent. Mais vous, là, c'est entre vous. Entre vous, là, c'est hypocrisie. Vous tous, là, nombreux d'entre vous, vous avez fait la rébellion. Est-ce que vous m'avez une fois vu vous insulter? Vous m'avez une fois vu vous insulter, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quand vous m'insultez que je vous réponds. C'est quand vous m'insultez, là, c'est là que je vous réponds. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut des vidéos. Non, Zasso est Tiamis. Zasso est Tiamis. Amira Blindé, sous les vos groupes là, la guêpe, les Nina, tous vos groupes là, moi je vais vous dire la vérité. Tiam là, je soutiendrai le fait qu'il soit à la tête du PDC RDA. Moi je fais la politique, je pense à l'avenir de mon pays. Je pense à l'avenir de mon pays. En 2020 ici là, vous avez utilisé Bédié. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Bédié. Mais qui a trompé Bédié, c'est Soro. Qui a trompé Afi, c'est Soro. Qui a trompé Mabri, c'est Soro. Pourquoi Soro fait ça? Mais il a fini de trahir Bédié. Bédié investit beaucoup d'argent dans la rébellion, dans la désobéissance civile. Bédié était à la tête du CNT. Bédié est parti aujourd'hui. Mais tout ce stress a fait que Bédié aujourd'hui est mort. Bédié est parti. Aujourd'hui, Bédié est parti, il est mort. Bédié est mort. Bédié est où aujourd'hui? Mais c'est vous qui l'avez fait. Aujourd'hui, Bédié est mort. Votre stratégie, c'est de récupérer le PDCI RDA. Donc, il faut mettre des gens faibles à la tête du PDCI pour mieux contrôler le PDCI, pour déstabiliser le pouvoir Ouattara. C'est ça votre combat? Aujourd'hui, vous ne voulez pas de Tiam à la tête du PDCI parce que vous voulez des gens faibles à la tête des systèmes que vous allez manipuler. C'est ça votre combat? Votre combat, c'est ça. Moi, je vis dans un pays où on met les hommes forts là où on doit les mettre. Ici, là, tous les opposants sont des hommes stables, des hommes forts. On ne prend pas n'importe qui pour le mettre à la tête d'une opposition. Je ne suis pas venu ici pour jouer avec vous. Je suis venu ici pour apprendre. Tiam à la tête du PDCI, ça stabilise aussi le pays. Tiam, là, il a des grands réseaux. Le président Ouattara, aujourd'hui, là, nos aînés, ils sont en train de prendre de l'âge. Mais il faut préparer une génération. Pourquoi vous voulez que moi, je sois idiot comme vous? Je ne serai pas idiot comme vous. Je ne serai pas idiot comme vous. Je veux des hommes sérieux qui vont venir prendre la tête des partis politiques pour que mon pays ait la paix, mon pays ait la stabilité et que mon pays se développe. Si c'est ça, vous dites, Zasso est tiamisme, ça c'est votre problème. C'est votre problème, je m'en fous de vous. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous avez manipulé Bédié ici. Vous avez manipulé Mabri. Vous avez manipulé Bokro, Lanaki, Kobina, tous ces aînés-là, vous les avez manipulés. Mais Soro les a manipulés depuis la France. J'ai Macron avec moi, j'ai ceci avec moi, on va renverser Ouattara. Ouattara ne sera plus jamais président. Ouattara sera comme ça. Mais ce n'est pas vous là. C'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui l'avez fait. Moi, j'assume le fait que j'ai soutenu quelque chose. Tiam soit à la tête du PDC. Je l'assume. Parce que je suis intelligent. Je pense à l'avenir de mon pays. On a mis des voyous à un certain moment donné à la tête des partis politiques. Ils ont fait quoi? On prend l'argent du contribuable, on les paye. Ils sont financés par l'argent du contribuable. Mais ils ont apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas l'instabilité, le désordre, manipuler des jeunesses et autres, c'est ça votre combat? À part ça, il y a quoi? À part ça, il y a quoi?
Vous vivez dans des pays de blancs, dans des pays stables, où on vous donne tout. Toi, Amira Blindé, toi, un illettré, là, tu es venu ici, vos groupes, la bande d'idiots, les saoulés, qui vendaient des aubergines et des femmes camerounaises à Château Rouge. Mais c'est pas vous, là, qui allez parler de politique avec nous. C'est parce que Soro vous nourrit. J'ai vu votre combat au sein de votre chose, là. Quand il y a eu la désobéissance civile, j'ai vu votre gouvernement. Jusqu'à les saoulés devaient être des secrétaires d'État. Ça dit, tous les saoulés, là, l'Amira Blindé, devait, si Soro gagnait la désobéissance civile, ou Soro avait renversé le président Ouattara, j'ai vu les postes que les saoulés allaient occuper. Mais ça devait être une malédiction pour notre pays. Ça devait être une malédiction pour notre pays. Après cette vidéo, il y a un message sur YouTube. Mais ça devait être une malédiction pour notre pays. C'est vous là, vous allez faire désobéissance civile, puis allez être des hommes importants en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous nous insultez, parce que nous on vous gêne. Vous nous insultez parce qu'on vous gêne. On gêne le système. On gêne tous vos plans de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. On vous gêne. Sinon, il y a beaucoup de pro-Soros qui sont dans le gouvernement du RHDP. Ils ont des financements, ils ont tout. Vous ne parlez jamais de ça. Mais ces assos, c'est Johnny, c'est Gouza. Ces assos, c'est Johnny, c'est Gouza. Mais parlez de vous aussi, vos frères qui sont là-bas. Parce qu'ils sont simplement vos frères du Nord. Donc, vous vous attendez avec eux. Ils vous envoient l'argent en Europe ici. Ils s'occupent de vous. Vous nous dénigrez. Mais arrêtez ça. Moi, je n'attends rien du système RHDP. Ce que j'attends du président Ouattara, c'est la stabilité du pays. Tout ce que j'attends du président Ouattara, c'est la stabilité du pays. Rien que la stabilité. Pour que nos parents ne soient plus tués comme des sauvages, comme des moutons. Même ici, même les animaux sont protégés. Aujourd'hui, les animaux ont des droits. En Côte d'Ivoire, on tue des gens. Et il n'y a même pas de justice, ils ne sont pas protégés. Et vous voulez que ces mêmes personnes qui ont tué les gens deviennent présidents. Soro va devenir président. Soro sera président. Mais nous, on est là. Nous, les assos, on est là. On va parler. Tant qu'on aura ça là, on va parler. Vous savez pourquoi vous encouragez les gens, vos frères du RHDP là, à nous fermer les portes, à nous restreindre, à nous retirer du système. Parce que vous voulez bien profiter. Vous savez pourquoi vous faites ça? Mais comme eux, ils ne sont pas politiques. Au RDL là, tout ce que tu dis aujourd'hui, tu as formé le bloc autour du président Ouattara, ils ne sont pas des hommes politiques. Je les connais, ils ne sont pas politiques. Aujourd'hui, la réalité est devant eux. La réalité, parce que quand ils viennent à Paris, ils vous reçoivent. Les cadres là, quand ils viennent à Paris là, vous l'Amira Blindé, les saoulés, les vous reçoivent en privé. Vous mangez avec eux. Vous faites tout avec eux. Ils vous donnent même des informations du pays. Mais nous, on sait. Ils sont avec le président Ouattara et puis ils sont avec Soro. Mais moi, je sais. Toutes les informations que vous avez là, ce sont vos frères qui sont dans le système qui vous donnent les informations. Ce sont eux qui vous donnent les informations parce que votre combat, vous voulez déstabiliser le président Ouattara. C'est tout. Nous, les assos, les gousas, les Johnny, on vous gêne. On vous gêne. C'est-à-dire, on frappe tellement fort que vous êtes mélangés. Vous êtes mélangés. Moi, si vous voulez être un Soro, c'est depuis la rébellion. Parce que j'étais au RDR. Moi, j'étais au RDR. C'est depuis la rébellion que moi, j'allais manger un Soro. Je n'ai jamais mangé avec Soro. Même 5 francs de Soro, je n'ai jamais touché. Non, moi, je n'ai pas de complexe. Moi, mes mains sont propres. C'est pour ça que vous avez peur de nous. Nous, là, nos mains sont propres. Nous, on ne doit à personne. Quand Thiam m'a dit ici qu'il ne veut pas traiter avec Soro, parce que, mais Thiam a raison. Mais il a pleinement raison. Mais Thiam a raison. Tous ceux qui parleront de la stabilité, tous ceux qui mèneront le combat de la non-violence auront mon soutien. Que ça vous fasse mal ou pas, ils auront mon soutien. Thiam n'est pas mon ennemi. Thiam, c'est un Ivoirien. Thiam n'est pas l'air de président Ouattara. Tous ces gens-là, j'ai vu Thiam ici avec Kandia Camara aux États-Unis. Et tous, ils se parlent. C'est pas moi qui vais faire de Thiam mon ennemi. Attends, vous êtes bêtes, quoi. Vous pensez que nous, là, on est bêtes. Ça dit que vous pensez que nous, on est bêtes. Ça dit que nous, on va passer tout notre temps à se faire des ennemis. Et puis, vous vous retrouvez la nuit, vous vous parlez entre vous. Je suis plus à ce niveau de politique. Hein. Tous les Ivoiriens, là, sont mes frères. À condition qu'ils se battent pour la stabilité et la démocratie dans mon pays. Si tu te bats pour la démocratie, la stabilité, moi, je vais te féliciter. Je n'ai pas de problème. Tous les gens du RHDP, ils parlent un tiers. Ils parlent un tiers. Pourquoi vous voulez que nous, les assos, on soit seulement que des ennemis des autres et puis vous, vous devenez leurs amis? C'est-à-dire que vous, là, vous êtes amis de tout le monde et nous, les assos, les Gouza, les Johnny, là, on n'a qu'à se faire des ennemis. On va rester là à crier pour vous, à insulter pour vous, à dire des choses. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je viens, je dis ce qui est clair. Je viens, je dis ce qui est la vérité. Je ne vais plus jamais me faire d'ennemis politiques pour vous faire plaisir. Je suis vraiment désolé.
Parce que c'est ça votre combat. Créer la haine, ça dit que nous, on est, je ne suis plus dedans, qu'on est aujourd'hui au pouvoir. Vous voyez, vos combats, quand vous finissez de faire les vidéos, vous pouvez appeler certains cadres du parti. Moi, je peux citer leur nom. Les cadres du parti avec qui vous traitez là, moi, je peux citer leur nom. Parce que je sais tout. Les cadres du parti avec qui vous traitez là, moi, je les connais. Je les connais. Ils vous reçoivent à Paris, ici, dans des hôtels. Vous-même, vous faites du chantage à des ministres. Vous avez, jusqu'à eux-mêmes là, vous avez les audios, les informations sur ces ministres. Vous faites du chantage à ces ministres, je sais. Pour ne pas que vous citez leur nom, ils sont obligés de passer par des gens pour vous donner l'argent. Mais ils sont avec le président Ouattara, ils sont dans le gouvernement. Quand Zasso parle, Zasso critique, mais je vais les critiquer. Vous allez me faire quoi? C'est mon droit. Je vais les critiquer, puis il n'y a rien. Toi, tu es soroïste, c'est toi, tu me dis, moi je critique les cadres. Où est ton problème dedans? Toi, tu te bats pour déstabiliser ce même pouvoir et c'est toi qui vas me donner des leçons. Alors que vous vous battez pour déstabiliser ce pouvoir. Vous vous battez pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Votre combat aujourd'hui, comment faire pour humilier le président Ouattara? Comment faire pour faire un coup d'État? Parce qu'à part ça, vous n'avez pas de projet. Ils sont aujourd'hui là. Tellement que vous avez manipulé certains cadres du Nord, vos frères qui sont autour du président Ouattara, qui ont tout le pouvoir. Tellement vous voulez dénigrer Zasso, Gouza et autres pour que le système les fragilise. Mais c'est votre système, c'est votre jeu. Vous faites des vidéos là, Zasso est comme ça, et puis Zasso avait trahi, et puis Zasso avait fait ça, et puis Zasso critique. Mais tout ça parce que vous savez que vos frères là, nombreux ne sont pas des hommes politiques. Aujourd'hui là, ils sont autour du président Ouattara. Mais parmi eux là, qui peut remplacer le président Ouattara? Qui? Moi, j'avais préparé ça depuis longtemps. Moi, j'anticipe. Moi, je fais de la politique, j'anticipe. Mais parmi eux, là, aujourd'hui, là, qui peut remplacer le président Ouattara? Qui? Il n'y a personne. Parmi eux, là, qui? Il n'y a personne. Moi, mon combat, c'est pour ne pas qu'on dise que ah, c'est Soro qui peut faire l'affaire. C'est Soro parce que votre combat, là, on va se battre pour ramener Soro au RHDP. On va rendre Soro fort, Soro puissant. C'est ça votre combat que vous menez, vous, les Soroïstes. Votre combat, c'est ça. Comment faire pour fragiliser un jour le président Ouattara pour venir récupérer le RDR, récupérer le RHDP, comme vous avez voulu le faire avec le PDC-RDA. Quand j'ai dit que Thiam restera à la tête du PDCI, ça vous a fait tous mal. Ça vous a tous fait mal. Parce que je suis intelligent. Thiam a pris le PDCI. C'est fini. Soro va vers quoi maintenant? Il va prendre qui? RHDP là, nous on va gérer ça. Soro là, il ne va pas venir prendre place au RHDP. C'est moi qui vous dis la vérité. Quelqu'un qui a fait désobéissance civile, qui a fait, était impliqué dans la déstabilisation du Burkina. Mais Soro était impliqué dans la déstabilisation du Burkina. Les audios existent. Soro dit qu'il a la télécommande pour déstabiliser le président Ouattara. Mais pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? Pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? Moi, j'ai choisi la voie de la légalité. J'ai choisi la voie de la démocratie. Je ne ferai jamais de promotion pour un putschiste, pour quelqu'un qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre pour que demain, à la tête du PPACI, Gbagbo parte et qu'on trouve de nouvelles personnes. Mais c'est ça le combat. C'est l'avenir qu'on prépare. Je suis fier que Thiam ait récupéré le PDC-RDA. Ça vous fait mal, ça ne vous fait pas mal. Moi, Zasso, je suis fier. Parce que mon combat, c'est la stabilité. C'est à partir des partis politiques que vous déstabilisez les États. Vous voulez la tête des partis politiques pour faire des coups d'État, faire des rébellions. Aujourd'hui, Thiam a pris le PDC-RDA. Aujourd'hui, là, il y a un changement. Aujourd'hui, les gens du PDC ne sont plus violents. Ils font la politique. Les gens du PDC aujourd'hui font la politique. Ils ne vont plus s'associer à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, des coups d'État. Et Thiam l'a dit, il ne veut plus d'hommes violents. Tous ces gens qui ont participé à la déstabilisation, il a parlé, je suis d'accord avec lui. Où est le problème? Où est le problème qui vous gêne? Parce que vous voulez forcément déstabiliser Ouattara. Donc vous cherchez des alliés comme Gbagbo. Gbagbo est devenu votre allié aujourd'hui. Aujourd'hui, vous soutenez Gbagbo. Vous avez oublié tous les morts. Tout ce que Soro a dit. Tout ce que Soro a dit de Gbagbo, vous avez tout oublié. Aujourd'hui, vous vous battez pour devenir allié à Gbagbo. Aujourd'hui, là, vous êtes maintenant Gbagbo, même se bat pour vous. Tout ça parce que vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est notre héritage à nous tous. Je vous ai dit, vous les zouzous, les quoi, la plupart là, vous êtes tous venus pendant... On sait comment vous êtes arrivés en Côte d'Ivoire. Moi, je sais.
Je suis dedans, on se connaît. Je sais comment vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait tout le nord. J'ai demandé vos villages, j'ai tout demandé. On m'a dit qui vous êtes, d'où vous venez. Souvent, vous êtes de Divo, vous êtes de Sissi, vous êtes de ça. Vous êtes de quel village de Divo? On ne sait même pas. On sait comment, on sait tout. Mais tant que vous viendrez sur les réseaux sociaux pour dénigrer la Côte d'Ivoire, insulter mon pays, je vais vous allumer. Ça, c'est clair. Ne vous fatiguez même pas. Parce que c'est notre pays. C'est la terre de nos ancêtres. C'est le pays de nos ancêtres. De façon que vous défendez l'AES, qui est la terre d'origine de vos parents, d'après vous, là. Nous, on dépend la Côte d'Ivoire parce que c'est notre terre. Et vous n'allez pas nous enlever ça. Nous n'allons pas laisser Soro faire un coup d'État dans notre pays. Nous n'allons pas laisser Soro déstabiliser le président Ouattara. Et je resterai franc sur ça. Ne vous fatiguez pas. Que le RHDP me donne les moyens. Oh. Le RHDP ne me donne pas les moyens. Moi, je m'en fous. Si je m'en fous, est-ce que ça m'empêche de faire mes vidéos? Est-ce que ça m'empêche de me prononcer? Je fais mon combat. Voilà. Ils peuvent vous écouter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Moi, je m'en fous. Moi, je leur ai déjà fait plusieurs propositions au cadre du parti. J'ai dit qu'il faut réorganiser la jeunesse. Il faut mettre les moyens parce qu'au RDA, on a eu les moyens sous Babou. Pourquoi sous les régimes aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens pour travailler? Mais quand on demande les moyens, c'est pour parcourir la Côte d'Ivoire, aller mobiliser la jeunesse. Aujourd'hui, regardez tous les gens qui sont autour de Tia. Les leaders de la jeunesse qui sont autour de ils sont de toutes les ethnies, ils sont sur le terrain. Mais quand ils font leurs vidéos, je suis. Au RHDP, c'est un groupe de communautaristes qui gère le système. Mais c'est entre vous là, vous voulez tout faire. Alors que vous n'apportez rien au président Ouattara. Si vous étiez aussi fort que ça, mais avec tout ce que le président Ouattara a fait là, mais vous devez trouver un candidat. Si vous pensez que votre combat doit se limiter entre vous les fils du Nord, et que ça doit être au Nord, mais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un candidat pour remplacer le président Ouattara? Parce que votre politique est mauvaise. Elle est mauvaise au sein du parti. Vous avez pris le parti en otage pendant 14 ans, mais vous n'apportez rien au parti. Regardez de tous vos cadres qui sont là, personne ne peut remplacer le président Ouattara. Mais c'est de ça que nous parlons. Nous, nous parlons pour demain. Le président Ouattara a combien d'années? Il a besoin aussi de se reposer. Il ne peut pas passer toute sa vie à vous protéger, à vous défendre, à défendre vos intérêts. Voilà. Si nous, les assos, on avait eu les moyens très tôt, mais on n'a pas besoin de dire au président Ouattara, faut être candidat. Il y a longtemps, nous, on contrôle le terrain politique. C'est la mobilisation. Les 3 500 000 dont le président Ouattara a parlé, mais nous, on aurait bouclé ça. J'aurais bouclé les 3 500 000. Au RDL, on a fait que ça. Au RDL, on était combien? Allez-y voir, demandez, ils étaient combien de militants au RDL? Au RDL, on était pratiquement à combien, 700 000 ou que, mais pendant les élections, on a eu combien de voix? On a eu combien de voix? Mais c'est un travail que nous avons fait au premier tour. Si c'est Bakongo est là, que je voudrais saluer. Amontano est là. Amontano a mis les moyens à ma disposition. Il dit, tu es fils de l'Ouest. Si tu veux réussir dans ce système-là, moi, je te donne les moyens. Il a payé voiture, il a mis les moyens, il dit travail. Mais j'ai travaillé. On était partout. Est-ce que les pro-babos pouvaient devant nous? Ils ne pouvaient pas. Les pro-babos avaient des difficultés devant nous. Mais c'est parce qu'il y a eu les gens comme la Montano, la Mère Bakayoko. Et autres. Mais aujourd'hui, ils sont assis là. Tous les postes stratégiques du pays sont dans vos mains. C'est vous qui contrôlez tout. C'est vous. Et c'est ça votre combat, vous les soroïstes. C'est-à-dire, vous voulez rester. C'est-à-dire, vous nous insultez dans la journée et puis la nuit, vous vous trouvez entre vous les frères du Nord. Et vous dites que non, ceux-là, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Et vous vous moquez de nous après. Vous nous insultez, vous vous moquez de nous. Mais c'est triste pour vous. C'est triste. Moi, je trouve que c'est triste pour vous. Je vois ce que vous faites sur les panels, les quoi. Vous allez venir, mais après, vous vous retrouvez. Mais c'est pour vous qui est grave. Hein? Moi, mon combat, c'est qu'après le président Ouattara, on est un cadre RHDP pour continuer le travail du président Ouattara. Mais aujourd'hui, on est mal parti. J'ai été pendant ces élections régionales, municipales dans les régions de Côte d'Ivoire. Nombreux de vos cadres n'ont pas travaillé. Les maires et autres n'ont pas travaillé. C'est la désolation dans les régions et dans les villes. C'est la désolation. Le président a lancé de grands chantiers. Mais il y a tellement de défis à relever que beaucoup n'ont pas pu. Regardez aujourd'hui, hier, Jeune Afrique a fait un rapport sur quoi je vais te dire, le président veut prendre le RDR, il veut prendre la direction du RHDP. Parce que le président estime que beaucoup de choses n'ont pas marché. Le président estime que beaucoup de choses n'ont pas marché. Zouzou Botou, mon frère Chervin, au bout, comment tu vois? Je me vois bien, Zouzou Botou va bien. Zouzou Botou va bien, merci mon frère au bout. Donc, voilà un peu des réalités.
Voilà. Donc, pour vous dire que arrêtez de distraire les gens. Des gens qui ont contribué à déstabiliser la Côte d'Ivoire n'ont pas de leçons à me donner. Des gens qui ont fait des coups d'État, qui s'associent aujourd'hui au Burkina, qui soutiennent le Burkina, le Mali et autres, l'AES. Ceux qui ont contribué à faire arrêter nos soldats n'ont pas de leçons à me donner. Je suis vraiment désolé. Personne d'entre vous n'a de leçons à me donner. Tant que vous continuerez à vous mettre dans une logique de déstabilisation de mon pays, je vais toujours vous répondre. On va toujours vous parler. Soit vous changez de comportement. John Sorolla, il va faire la prison. Aucun homme politique ne fera la fin de son. Aucun homme politique. Et puis je vous mets au défi. Aujourd'hui, l'armée qui est là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire coup d'État pour faire Soro, jamais. Ces militaires, ces généraux qui sont là, ils sont trop préparés. C'est des vrais démocrates. Ils sont préparés pour la stabilité de leur pays. Aujourd'hui, ils ont mis la Côte d'Ivoire à un niveau tellement important qu'ils n'accepteront pas qui que ce soit de faire un coup d'État dans ce pays. C'est des républicains. Aujourd'hui, ils sont en train de voir l'armée au Ghana, Nigeria. C'est des grands défis. Vous pensez que c'est sur nos militaires là, vous allez vous appuyer pour faire un coup d'État? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous avez arrêté nos soldats au Mali, aux mains des putschistes du Mali. Mais c'était quoi la stratégie? C'était pour que le pouvoir HDP tombe. Pour que les militaires se soulèvent contre la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas passer tout notre temps à déstabiliser notre pays. On ne peut pas passer tout notre temps à déstabiliser notre pays. Mais en le faisant, on déstabilise la vie des générations. Il y a des petits frères derrière nous. Ces enfants ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être formés. Aujourd'hui, vous parlez de Wibi. Mais les Wibi sont les conséquences des putschistes dans la sous-région. Tous ces Wibi-là, la plupart viennent du Burkina, du Mali, du Niger. Ils viennent de ces pays de la Guinée. Parce qu'il y a la pauvreté, il y a l'instabilité dans leur pays. Il y a l'instabilité dans leur pays. Donc, eux tous là, ils rentrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un passoire. Où tous les mendiants, des voleurs, des criminels viennent se réfugier. C'est triste, mais il faut qu'on en parle. C'est notre pays. Aujourd'hui, votre rébellion là, a fait de sorte que, aujourd'hui, nos terres, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens sont rentrés en masse en Côte d'Ivoire. Vous les avez inscrits sur des listes électorales, ils ont eu des papiers en Côte d'Ivoire, mais c'est la rébellion. C'est votre rébellion là qui a fait que des étrangers sont venus remplir notre pays. Aujourd'hui, notre pays est saturé. L'Ivoirien même n'a pas de place. Les hommes d'affaires dans notre pays sont des étrangers. Ils sont venus avec d'argent dans des crises, des terroristes, quoi. Ils sont venus s'installer, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans tout. Ils sont dans nos villages, ils payent les terres. Ils payent les forêts de nos parents, ce qui n'est même pas normal. Alors que la loi donne l'exclusivité de la terre aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, les terres de nos parents sont aux mains des étrangers. Mais c'est votre rébellion là. Rébellion que Soro a créé là, c'est ça qui a fait rentrer des gens. Aujourd'hui, quand vous regardez le système de Toro, à 90% ce sont des étrangers. Vous êtes tellement redevables à ces Burkinabés, Maliens, Guinéens là, qu'aujourd'hui vous êtes là, ils insultent la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez même pas parler. Parce qu'ils ont vos secrets. Les Maliens, les Burkinabés ont vos secrets. Dans la rébellion, vous êtes allé investir au Burkina, vous avez construit au Burkina, vous avez partagé l'argent de Côte d'Ivoire avec les Burkinabés, vous avez rendu les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens riches, au profit même des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'Ivoirien souffre. L'Ivoirien n'a même pas d'argent pour faire ses affaires. Pour investir financement, l'Ivoirien souffre. L'Ivoirien souffre. C'est entre vous, vous. Ça veut dire que souvent même, vous avez même poussé nos frères, Senoufo, Koyaka, Maoka et autres à jouer vos jeux, vous les Djoulala. À jouer votre jeu. À jouer votre jeu. C'est vous qui défendez aujourd'hui l'AES. C'est vous qui défendez aujourd'hui l'AES. Vous êtes dans l'AES, pourquoi? Vous faites quoi là-bas? Vous dites que tu es Ivoirien. Ibrahim Traoré attaque ton pays, tu es content. Tu dis que tu es Ivoirien. Assimi Goïta attaque ton pays, tu es content. Tiani attaque ton pays, tu es content. On traite ton pays de Wubi. On traite ton pays de terroristes. On traite ton pays de tout, tu es content. Alors que tu dis que tu es Ivoirien. Quel genre d'Ivoirien êtes-vous? Vous êtes quel genre d'Ivoirien? Un vrai Ivoirien doit défendre sa patrie. Il doit aimer son pays. Parce que c'est le combat de ses ancêtres. C'est le combat de ses parents. C'est la lutte de ses parents, chers amis. Voilà ce que moi je voudrais vous dire. Voilà ce que je voudrais en toute sincérité vous dire. Yacouba, si tu es fatigué, il faut aller dormir. Je ne t'ai pas invité sur mon panel. Je ne t'ai pas invité sur mon live. Donc, vous comprenez, il faut qu'on soit clair dans ce que nous nous disons. Voilà. Nous, on vous fatigue. On vous fatigue et on continuera de vous fatiguer. On vous fatigue et on va vous fatiguer. On se battra pour que ce pays soit en paix. Nous allons continuer d'aider le président Ouattara jusqu'à ce qu'un jour ils disent « Azasso, je suis fatigué » et on va mettre une nouvelle équipe. Et cette nouvelle équipe-là, Soro ne sera pas dedans.
Ce ne sera pas de la même façon. Vous vous organisez, nous aussi on s'organise. Hein. Nous là, on est des légalistes, on est des démocrates. On est des légalistes. On va se battre, on va trouver les moyens. Même si votre pouvoir RHDPV, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Nous. Vos cadres là, vous les avez tellement rendus méchants, égoïstes et autres. Mais nous, on les regarde. Souvent, vous donnez exemple. Nantouré Mamadou est devenu ministre. J'attends ça dans la bouche des Soroïs. Nantouré est devenu ministre. Zassou n'est pas devenu ministre. Mais Touré, là, ses parents dedans. C'est grâce à Madougon que Touré est devenu ministre. C'est à Madougon qui a nommé Touré. Moi, je n'ai pas de parents dedans. Qui va devenir? Je n'ai pas de parents dans le système. Vous êtes dans un système où vous êtes des tribalistes. Vous vous nommez entre vous. Moi, je n'ai pas de parents. Qui va me nommer? Qui va me dire, bon, Zassou, tiens ça. Zassou, fais ça. Qui va le faire? Je n'ai personne. Vous voulez que je fasse quoi? Chez moi, à Gagnon, il y a combien de cadres? Et à qui? La plupart des cadres que vous avez mis sont sous vos contrôles. Gagnon n'a même pas ministre d'État, ministre de l'économie. Gagnon à quoi? Regardez, allez-y chez moi. Moi, je suis allé dans le Nord, Malaisie. Vous avez eu le développement à Gagnon, je n'ai rien eu, il n'y a rien chez moi. On arrive chez moi à Gagnon, mais ça fait pitié. On a protesté ici du terrorisme, mais on a mis des milliards dans le Nord. Les fils du Nord ont plus de financement aujourd'hui. C'est vous qui êtes dans les affaires, c'est vous qui êtes dans tout. Mais vous avez beaucoup d'argent depuis la rébellion jusqu'aujourd'hui. C'est vous qui êtes les Ivoiriens les plus heureux dans ce pays. Tous les financements, ministère de la jeunesse, peu même, mais ça vous en donne. Ça vous en donne tout. On vous appelle ici en Europe, ici, puis on vous donne des financements, nous on sait. En Europe, ici, là, on trie les gens, on vous appelle. Vous vous appelez entre vous et vous vous donnez des financements, des centaines de millions, vous faites des affaires. Quand nous on parle, ah, ils sont mendiants, ils sont ceci, mais vous êtes dans un jeu. Croyant que c'est vous seul qui pouvez mener le combat du président Ouattara, mais vous mentez. Vous ne pouvez pas. Moi, je vous connais. Vous ne pouvez pas. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas. Je connais des Soroïs aujourd'hui qui ont insulté le président Ouattara. Ils ont eu des financements dans le système. Dès qu'ils sont allés demander pardon, eux-mêmes, ils sont allés les chercher. Ils ont dit, venez, tenez financement. Parce que tu vois cet esprit-là que vous avez au sein du système que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que votre système, vous n'avez pas un esprit d'ouverture. Vous ne pensez pas aux autres. Vous êtes égoïste. Vous êtes méchant. Vous avez tribalisé le combat du président Ouattara. Vous avez dénaturé le combat du président Ouattara. C'est un combat où on donne plus de pouvoir à un groupe ethnique. Ce n'est pas normal. Allez-y, vous, aujourd'hui, dans les de certaines régions du Nord. Mais on a l'impression que là-bas, les gens vivent. Mais vous arrivez dans nos régions, nous avons café, cacao aujourd'hui, mais on n'a rien. On n'a rien. Les terres de nos parents sont vendues aux étrangers. Personne ne défend nos parents. Aujourd'hui, vous arrivez dans les villages à Gagnon, partout. Les étrangers ont payé les terres de nos parents. Ils sont assis sur ça. Ils n'ont pas de respect pour nos parents. Mais il y a des vérités, il y a des choses que je n'ai pas encore dit, mais je vais parler. Je vais parler. Moi, je me bats pour rencontrer un jour le président Ouattara. Mon combat, là, c'est de rencontrer un jour le président Ouattara pour dire, monsieur le président, il y a urgence dans les régions de l'Ouest. Il y a urgence dans les régions de Kourou. Il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nos terres sont aux mains des étrangers dans nos régions. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut que, monsieur le président, prenez des dispositions pour que la loi de 98 qui protège le foncier protège nos parents. Des enfants se lèvent, ils vendent les terres, des terres familiales. L'héritage de leurs parents, ils se lèvent, une seule personne vend et les autres frères sont là, ils n'ont plus de terres. Vous arrivez aujourd'hui dans nos régions, mais je suis arrivé, on m'a fait le point. On m'a fait le point, toutes les terres sont contrôlées, les gens sont rentrés à cause de la rébellion. Des crises politiques, ils sont allés, ils ont vu l'argent, ils payent tous nos terres. Et nos parents sont là, ils n'ont plus, ils ne savent plus où aller. Aujourd'hui, vous partez dans le Nord, on n'achète pas terre. Mais là-bas, la loi s'applique. Dans le Nord, même si nous ne faut pas terrain, même tu ne peux même pas, parce que la loi s'applique. Mais allez-y, vers chez nous, à l'Ouest. Tous vos gens de la CDAO là, sont versés là-bas. Mais ce qui arrive là, le vrai combat va commencer dans peu de temps. Je me battrai pour que les terres de mes parents là, reviennent à mes parents. Comptez sur moi, ça va revenir. Au Ghana, j'ai été au Ghana. Au Ghana, on ne va pas de terrain à étranger. Au Ghana, on ne va pas de terrain à un étranger. Au Ghana, on ne va pas de terrain aux étrangers. Seul en Côte d'Ivoire où les étrangers viennent occuper partout, ils sont partout. Ils sont dans le système, ils sont partout, ils sont puissants. Et on est là, quand nous on parle, on dit, ah, ils sont comme ça. Ils sont ceci. Mais le combat qu'on a mené là, c'est pour que nous, les Ivoiriens, on soit forts. Notre combat que nous avons mené au RDN. Voilà mon frère Seri Dibaï qui est là. Les Seri Dibaï là, ils savent quel combat on a mené au RDA, mais aujourd'hui ils sont où? C'est des jeunes qui étaient des grands mobilisateurs. Les Seri Dibaï ont créé des mouvements politiques où je suis allé avec Cissé Bankongo. Mais tu arrives là. Mais c'est des gens que Seri Dibaï a mobilisés. Mais les Seri Dibaï, on doit leur donner des moyens pour qu'ils travaillent pour le parti.
Mais un parti politique où vous êtes entre vous, sur quoi vous comptez, je ne sais pas. Et les amiral blindé joue les jeux. Quand on prend les soroïstes, on les met à des postes, vous vous taisez. Tous les soroïstes qui déstabilisent le pouvoir, quand on les met à des postes, vous vous taisez, vous ne parlez plus. Mais quand il s'agit des autres, c'est là que vous avez la bouche. Pourquoi? Parce que nous, on est des autres groupes ethniques. Donc, vous pensez que vous pouvez nous étouffer, votre plan va nous réduire, vous allez nous faire des temps. Vous ne pouvez pas. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et la personne à qui nous on a affaire, c'est le président de la République. Et c'est au président de la République que moi, je vais toujours parler. Je n'ai pas affaire à Soro, parce que Soro, là, son cas, là, c'est déjà réglé. Moi, je ne suis pas un enfant, moi, je suis un adulte. Je ne suis pas un enfant, je suis un adulte. Je continuerai de dire ce que je pense. Allez-y aujourd'hui, Abidjan. Les jeunes du parti, des leaders de jeunesse des autres régions qui ont des qualités, qui ont des compétences, qui peuvent faire le travail sur le terrain, n'ont pas les moyens. Mais si on a dit, on a donné le financement, les marchés là, c'est entre vous les fils du Nord, c'est vous qui avez tout. Mais vous ne pouvez pas aussi faire la politique de Ouattara. On vous enrichit pour rien. Vous êtes tous devenus riches pour rien. Vous n'apportez rien. Aujourd'hui, on est obligé de se battre pour que le président Ouattara soit candidat. Parce que si le président Ouattara n'est pas candidat, on est mort. La plupart des cadres qui viennent des autres régions ont été fragilisés. Ont été fragilisés. Ils sont dans le gouvernement, ils sont faibles. Quand Zasso parle, mais je dois parler. Il faut que maintenant j'interpelle, puisque je ne peux pas voir le président Ouattara. J'arrive à Abidjan, je ne peux pas le voir. Tous les soroïstes qui ont combattu le président Ouattara ont été reçus par le président Ouattara. Moi qui ai tout RD avec lui, je ne peux pas raconter le président Ouattara. Je fais tout, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais quand un soroïste se lève tout de suite, eux-mêmes, ils vont partir le prendre, c'est leur frère. Ils vont le prendre, ils vont aller l'amener chez le président. Il va être reçu par la première dame. Quand c'est nous les assos, ils se replient sur eux. Mais ce n'est pas un combat politique que vous faites. Aujourd'hui, vous avez tellement menti. Vous avez tellement trompé. Des faux chiffres, des faux résultats au président. Aujourd'hui, la réalité est là. Mais quand vous finissez vos rapports, les organisations internationales font des rapports au président Ouattara. Mais il y a des rapports. Lui, il voit, il sait ce qui se passe. Aujourd'hui, il veut prendre la tête du parti. Mais pourquoi il veut aujourd'hui prendre la tête du parti? Parce que vous avez trop menti au président Ouattara. Vous avez trop menti. Des faux chiffres, des faux résultats que vous bombardez. C'est-à-dire que vous créez des choses pour qu'ils vous aiment. Pour qu'ils... Mais aujourd'hui, là, on doit interpeller le président. Donc, chers amis, moi, je voudrais vous dire merci. Je voudrais saluer mon frère Seri Dibaï. Mon frère au Bourg Germain, frère Dibaï, je voulais vraiment te saluer. Mais continue ton travail. Merci pour tout ce que vous avez fait au RDM, même si aujourd'hui, vous êtes fragilisé. Tous ces cadres avec qui on a mené tout ce combat se sont aujourd'hui repliés sur eux dans un système. Regardez la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui doit être votre combat. Parce qu'eux-mêmes, là, à force de se replier sur eux, à force de jouer le jeu des gens de Soro, ils ont fini par eux-mêmes fragiliser leur propre système. Ils ne s'attendaient pas à que Thiam allait venir. Ils ne s'attendaient pas que Babou allait revenir à ses hommes pour se réorganiser. Aujourd'hui, les pro-Babou ont plus de moyens. Les pro-Thiam ont plus de moyens. Mais comment se faire que ces jeunes-là, qui sont des leaders, qui sont la même voiture, même ils n'en ont pas. Ils ne sont pas organisés. Les fonds qu'on distribue en Côte d'Ivoire, qu'on donne aux gens de l'AUS, aux gens qui sortent de la CEDEAO, de l'AUS, là, du Sahel, qui rentrent en Côte d'Ivoire, on les appelle en Europe, on dit venez, tenez financement. On les appelle, on dit tenez des fonds. On les appelle. Tous ces gens-là, quand ils rentrent, ils disent ils sont d'où là. Ils viennent même là, ils disent qu'ils sont RHDP, ils rentrent dans nos systèmes au milieu de nous et ils profitent de nos systèmes. Quand la Côte d'Ivoire attaque, ils ferment leur bouche. Quand la Côte d'Ivoire est insultée, ils ferment leur bouche. Ils sont assis maintenant, ils sont puissants. Et ils vont venir sur les panels, les réseaux sociaux. Ah, vous là, vous êtes pauvres. Vous n'êtes rien au RHDP. Vous êtes comme ça. Mais c'est parce que c'est ce que les gens du RHDP veulent. C'est ce que ceux du RDR qui sont dedans là. C'est ce qu'ils veulent. Donc nous, on regarde. Nous, on ne coupe pas. Voilà, on ne coupe pas. Donc vraiment, merci à vous tous. Merci à mon frère Seri d'être du Bahi. Merci à Johnny pour la vidéo d'hier parce qu'il a fait une vidéo où. C'est un délinquant, cet illettré, cet analphabète d'Amira Blindé. Essayait de nous traiter de choses. Mais ton Soro là, on va courir avec lui. Moi, Zasso, Johnny, Gouza, votre Soro ne peut pas. Il ne peut pas. Ce terrain-là, il ne peut pas. C'est lui qui passe son temps à fuir. Il n'a qu'à venir. Il fuit pourquoi? Il n'a qu'à venir. On va mener le débat. Allez-y, dis à Soro de venir. Il fuit pourquoi? Il cherche quoi? Il n'a qu'à venir faire la prison. Quand tu as fait rébellion là, tu dois faire la prison. C'est ça aussi qu'on appelle un garçon. Un garçon, là, il assume. Quand tu as fait des tentatives de déstabilisation, tu as fait la désobéissance civile, tous les Ouattaros sont morts, mais tu dois venir faire la prison. Tout votre rêve
de pouvoir se président là, ça ne va pas se réaliser. Ça ne va même pas se réaliser. Aujourd'hui, vous avez quelle base? Vous n'avez rien. C'est le PDCI que vous avez voulu récupérer avec Babou. Mais aujourd'hui, là, le PDCI, la Tiam a pris. Et je félicite Tiam. Je félicite Tiam, je suis d'accord avec lui. Que tous ces violents, ces voyous qui ont déstabilisé ce pays, il faut les écarter. Et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Que Zassou est Tiamis, Zassou est ceci, Zassou est cela. La vérité, vous cachez là, je connais. Parce que vous voulez, ça dit que si Tiam là n'était pas venu à la tête du PDCI, c'est Soro qui allait financer les cadres du PDCI. Il allait manipuler les cadres du PDCI. C'était ça votre combat. À tout à l'heure, en ce soir. Je vais revenir dessus, je ne vais pas laisser. Comme vous avez commencé, on va terminer.